Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur War Tales. On a enfin terminé la quête des trackers et notamment le destin de Luderne avec tout ce qu'il y avait à faire et on a rencontré notamment la bête qu'on a dû fuir. On va dans cet épisode-ci essayer de clean un petit peu la zone de Luderne. On a une invasion de rats, on a des lieux à débarrasser de villes brigands. On va essayer de s'y atteler. On va essayer aussi de récupérer quelques matériaux bruts parce qu'on est vraiment à court. Et on aura également un tombeau, je pense, à trouver et à explorer. Mais avant toute chose, et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. De plus, pour ceux qui en ont l'envie et les moyens, vous pouvez soutenir financièrement la chaîne via les souscriptions et les Super Thanks, le lien en description. On a également quelques points à mettre dans les voies, alors pas ici, hein, puisqu'on est déjà au max. Par contre ici, on a quelques points. On est patron, ok, on est bon payeur, on est artisan polyvalent, producteur et artisan légendaire. Voilà, ça nous fait quand même pas mal de points, on monte, hein. On a hâte d'atteindre le niveau 9 pour prendre mercenaire prestigieux pour avoir des contrats supplémentaires. Ici, mystère et connaissance. Hacker fantomatique. Niveau supérieur débloqué, on prend. Il nous reste plus qu'un point dans braconnier. Chance de capture d'animal augmentée de 50%. Bon. Pas qu'on en ait réellement besoin. Mais bon. C'est toujours ça de prix. Bon, crime et chaos, évidemment, hein, vu qu'on n'est pas des criminels en puissance, on développe pas des masses. Hein. Mais bon, à force de faire des doigts de fée, on gagne des petits points par-ci, par-là. Escamoteur, de temps en temps. Les contrats d'assassinat, pourquoi pas. Et achever les ennemis dans le dos aussi, hein, ça permet de gagner des points. Ok, donc on va pouvoir repartir, parce que tout le monde est prêt. On est ici... de ton jeu, je vais vouloir terminer ça, mais on va se faire l'invasion de rats d'abord. On peut partir par là. Yes, c'est la bonne direction. Ça doit être ici, là, non? Peut-être pas. Ah non, c'est par là, d'accord. Bon, on peut quand même explorer la zone. Hein. Il y aura peut-être des choses à y trouver. Ok, j'ai pas envie d'affronter des ours et des loups. Donc on va repartir. On est toujours embusqué. Courir un petit peu trop vite. Alors ça par contre on va prendre les champotes, c'est toujours bien pour compléter quand il nous manque un ou deux points pour se nourrir. En plus on en a pas mal. On va récupérer évidemment le minerai. Ça nous servira pour crafter des armes et des armures. Et je pense qu'on va en crafter pas mal dans un avenir proche qu'on revendra d'ailleurs. Histoire de faire un petit peu d'argent. Ah oui, on pourrait venir là, comme ça. On va essayer. Allez, invasion de rats.
En plus, c'est un contrat qui devrait payer pas mal, hein. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Ok. Alors là, il y aura le premier. Donc, et là, il y a ça. Très bien. Alors, Théodore, tu te trouves là. C'est toi qui vas jouer en premier. Marina, je te veux ici. Varinus, non. Hector, oui, pour balancer ça. Avec Armand également. Il est ici. Ici, voilà, ces trois-là vont s'occuper de ça. Toi, t'es très bien ici. En fait, Galor, tu vas plutôt venir là. Pyrrhus là. Comme ça, ok. Alors, toi, évidemment, tu commences là-dessus. Très joli. Et ensuite, tu vas te mettre comme ça. Voilà, il y en a 7, hein. Des protubérances, des excroissances, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, le premier, il a bougé. Il n'a pas bougé. C'est bien dommage ça. Ouais, on peut faire ça, c'est très bien. On peut faire comme ça. Et venir là. Tu t'en prends à la personne qu'il fallait, c'est très bien. Du coup, alors. Toi, tu vas venir là. Tu vas me faire ça. 67, c'est très bien. Ça tue pas suffisamment. Dommage. Tu viens ici. On pourrait faire ça. C'est un petit peu dangereux selon moi. Ah, le prochain, c'est celui-là. Donc toi. J'aimerais que tu viennes là et que tu me fasses ça. Oh, parfait. C'est la kill direct. Donc, tu peux commencer à venir par là. Bien joué. Ici. Tu vas venir là comme ça. Parfait. Du coup, toi, je veux que tu viennes là. Très bien. Tu peux rester comme ça. C'est pas un problème. Bon, là, ça va tomber.
assez facilement. Galore. Eh bien, Galore, tu vas venir ici. Voilà, parfait. Allez, tu viens là. Toi, du coup, bah, tu peux venir là. On va commencer à bien taper. Tu peux venir ici. Parfait. Toi, tu peux venir à la limite ici. Déviation, ça pourrait en attirer un. Toi, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu vas en tuer un également. Te mettre là. Brutalité. Et on récupère encore un point. Paf, et là ça tombe. La matriarche. Alors, voyons voir où elle invoque. Ok, c'est pas mal. Son endroit d'invocation. Alors, toi tu vas venir là. Effectivement, tu vas commencer. Ouais. Ça c'est joli. Alors, ça tu vas venir là. Théodore. Tu vas faire ça. Parfait, ça en fait de tomber. Tu vas te mettre ici. Voilà, le moindre mouvement. Ça va faire schkrumpf. Ça, j'avais pas anticipé. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici, Galore? Ouais, tu peux venir là. Oh, ça c'est nul. Alors on va quand même essayer d'en avoir. Oui, alors ça c'est pas cool du tout. Ok. Qui n'a pas joué encore? Et toi on s'en fiche un peu. Toi t'as pas joué. Hein. Donc on va aller s'occuper de ton cas. Voilà, comme ça. Bien joué. Tessa, elle peut aller. Elle peut aller nulle part pour le moment. Ce que je vais vouloir faire. C'est venir ici faire ça. Là. Venir ici faire ça.
Là, ça meurt. Alors, toi, j'ai besoin que tu viennes. Jusque là. Non. Encore que tu t'avances. Parfait. Troisième nid détruit. Ah oui, tu vas même me faire ça pour revenir encore un petit peu en arrière. Ça, tu vas t'en prendre évidemment à Varinus. Alors. Oh, merci pour le kill. Pyrrhus. Parfait. Non, on va attendre. Non, pas toi. Et ça, tu vas jouer. Voilà, ça c'est très bien. Et ça c'est très bien. La matriarche. Du coup, celui-là il est détruit. Celui-là c'est détruit. Ouais, le reste c'est loin quand même. Si on peut faire ça. Non. Eh bien, tu meurs. Ouf, c'est pas trop mal ce qu'on a fait. On répare pour 6. Ça coûte cher. 71 crocs, ça c'est bien. Un cerveau. Un peu d'appât. Des échantillons, ça c'est très bien. On prend les rats. Le sang infecté aussi. Est-ce qu'on va prendre le cuir? Non. Ok, on a terminé la mission. On peut du coup aller par là. On va récupérer les champignons. Il y en a pas mal des champignons. Donc ça me va bien. Génial de se balader comme ça dans les bois. Allez, on va reprendre la route, la parfaite. L'ancien avant-poste. Nous, ce qu'on veut, c'est aller aux écuries de Luderne. On est trop juste. Bah, de toute façon, c'est le moment de s'arrêter. Donc ça tombe bien. Est-ce qu'on peut faire un petit peu de cuisine? Non, il nous manque trop de choses. Donc on va se contenter de manger. On va pouvoir faire ça. Voilà, 10. Bonus de coup critique, augmenter le bonheur, on est à 28.
40. Et bah justement, on en parlait, les petits champis. Et avec une petite bouteille de vin. On récupère deux matériaux, c'est bien. Varinus. Heureusement qu'on ne nous demande pas de nettoyer des nids de rats tous les jours. Quand je pense qu'après la guerre, c'était le boulot principal des mercenaires. Je plains nos prédécesseurs. Alors, relativiser. Après un repos, la quantité de bonheur gagnée par la troupe est diminuée de 5. Organiser. Dégâts contre les excroissances pestifères augmentés de 50%. Statut retiré après un affrontement contre des invasions de rats. Ou faire promettre cette unité quittera le groupe si elle combat dans une tanière de rats. On va organiser, tant pis pour la fatigue. Et on va repartir. Allons-y. Parce qu'ici, normalement, il y avait le mari de Bionne. La grande méchante pestiférée qu'on a oxy. On pourrait couper du bois. On n'a plus assez de place pour le porter. Don't let my father-in-law distract you. Oui, par ton beau-père, d'accord. My mother died 20 years now. My father, whenever I turn my back, he grabs his... Oui, oui. Bion was the greatest tracker in the world, and the best person to ever live in this eye-forsaken kingdom. Why won't they let me help her? Alors, remettre le torque de Bion comme preuve de sa mort. Requiert torque de Bion. Récompense promise, collier clouté et 100 balles. It's her torque. Oh, my dearest Bion. I hope you found peace. Oui, crois-moi, maintenant, elle a trouvé la paix. For years, the guilt of leaving her to her fate had been eaten away at me. Take this. I was keeping it for my future grandchildren, but you're a family now. Eh ben, je vais prendre avec plaisir. Alors, le collier clouté, il est là. Accessoire d'animal, il faut être cruel pour mettre un tel collier à un animal. La gorge percée par des clous, la bête finit enragée. Quand cette unité a 30% ou moins de santé restante, elle a berserk. Ah non, c'est nul. It's strange. I don't remember ever seeing my father so calm. Whatever you've done, you have my thanks. Mais de rien. Don't let my father-in-law distract you. Ok, du coup, on va regarder où on est. On n'est pas très loin. On pourrait aller à Marheim. Ils sortent faire le plein. Et on reviendrait après. Hein. Refaire le plein. Faire de la, pas mal de nourriture. On va faire le plein en matériaux bruts, ça serait cool. Faire un peu de vente. On va vendre quelques petites choses également. C'est ce qu'on va faire. Allez, let's go. À Luderne, on avance bien. On y reviendra. Alors ici, il faut qu'on monte. Pas qu'on oublie qu'on a toujours... comment dirais-je, l'arène à faire. Quand on repartira, je pense.
Et nous voilà à Marraine. Alors à Marraine, il y a quelque chose qui nous est demandé. À savoir, vendre des ombres. À tout hasard. C'est de l'argent qu'on a. Pas de chance. La hache de Nepti. Voilà, très bien. La grande épée de la fraternité. Niveau 5, ouais, on peut faire mieux. Hein. Là, qu'est-ce qu'on a? La masse de l'ambre. Oh, on en a deux. Rapatrier. Non, ça coûte cher. Et là, on en avait de l'ambre. Hein. Rapatrier pour 140. Du coup, c'est avec moi. Ok. On va tenter ça. Je sais pas si c'est worth hein, ce qu'on vient de faire. Hein. Has been screaming his head off for days. I am this close to making him eat his cart. Alors, je vais vouloir te vendre des choses. La première chose que je vais vouloir te vendre, forcément, c'est l'ambre. Pour 325. Ok. Alors ici, on va vouloir acheter pas mal de choses. Strange. The market doesn't stink quite as much now. Déjà, je veux tout ça. Du coup, je vais te vendre des choses. Non. Je te vendrai pas à toi. I would offer wine to go with your cheese, but the disease has all but destroyed our vineyards. Ah, pas beaucoup de blé, des choux. Du miel, oui. Et encore du sel. On verra s'il nous manque d'autres choses. Come, come, good people. Toi, je veux rien t'acheter, donc... Take a look at the great scholar Quickwit's latest invention. Oh, il valait vraiment pas cher. Qu'est-ce qu'on va pouvoir te vendre? Paul de la bête. Un accessoire de ceinture. Ouais, je suis pas fan. Par contre, s'habiller, on vend. Le bocal de préservation, on vend également. Le collier clouté, on va le vendre. Là, on est plutôt pas mal. On a les dents en or qu'on va vendre également. On en vend 3. Voilà, ça c'est bien. On peut vendre un peu de cuir. Ça, on s'en sert pas, donc ça sert à rien de s'embêter avec ça. Ça, ça pourrait servir. Ok. The hair growth lotion. Allez, salut. Du coup, on va venir ici, à la forge. I just know this year will be a breeze. Without the vineyards,
No need to circle new barrels. Les matériaux bruts, oui. Bah tout, hein. En termes de points, on est trop injuste. Puissant de portée. On va se le garder sous le coude. Tiens, mets-moi ça de côté. Les pitons. Ah, c'est 0,5 par piton quand même. Je vais juste en garder une dizaine sur moi. Ça devrait largement suffire. Du coup, tous les trucs, ça là. Ouais, ça pèse pas des masses. Repousse-cheveux, ouais, on en a pas besoin. Le charbon, ça commence à peser un petit peu quand même, hein. On va en laisser 10. Ça, ce serait 0,6 de prix. Ça, ça paye. Ça pèse pas mal quand même. Bon, on va rester comme ça pour le moment. On a encore un petit peu de marge. On va aller chez l'apothicaire. It's all so confusing to me. Who would do this to my family and why? Qu'est-ce que tu peux nous faire ici? Givracier, ça peut être intéressant. Il nous faut de l'éthérique pour ça. Oh, parfait. On a gagné un rubis. Un remède. On en a un en possession. J'en veux 9. Ok. Là, on est bon. Ici, je vais te vendre le rubis. Who would do this to my family and why? On va repartir. On va passer directement à la taverne. I'm concerned about the vineyard disease. It's confined to. Oui, pour l'instant, on va chanter. Hein. C'est parti. Petit parfait. On a gagné un manuel d'anatomie. 70 balles. I'm concerned about the vineyard disease. Paf. It's confined to Vertru. Ça nous fait 75 balles. On va se reposer. I'm concerned about the vineyard disease. It's confined to Vertru at the moment, but. Voilà, on paye tout le monde. Might she be looking for work? Our role as emissaries is to ensure that all service requests are fulfilled. We regularly update our job offers. Here is your reward. C'est des bonnes primes, ça. Cortia.
Ça, je l'ai déjà prise. Le reste, je suis pas convaincu puisqu'on va pas rester ici. Alors, par contre, ce qui serait cool, il me faudra un nouveau poney quand même. Bon, si nos dadas là, on va essayer de faire ça. Voilà. Alors, toi, je te mets là, là. Ok. Et ici, on va quand même fabriquer quelque chose. Divers. Ah, je peux pas en fabriquer un deuxième. C'est le max qu'on puisse faire. On peut quand même recruter un dada de plus. Donc on va quand même faire des fontes. Voilà, on va faire un petit check quand même au cas où. Ouais, t'as des fontes, tu en as aussi, toi aussi et toi aussi. On peut faire un peu de cuisine tout de suite. Saucisse de loup, mat fin aux pommes. Parfait. Fruits confits, côte de loup à la bière. Du porc grillé, du ragarou, du ragoût. Pardon. Du ragoût de porc. Parfait. Très bien, alors on est pas mal. Porridge. Et fruits confits. Allons-y pour un porridge. Et du coup, ça nous fait un petit peu de place également. Eh bien, on va repartir. On est dans la bonne direction. C'est parfait. On retourne à Luderne. Le plus rapidement possible. Ça va, on trotte hein, quand même hein, sur la route. Hop, là on diminue le rythme avant d'être fatigué. Alors,
Furk. Voilà, on aura plutôt bien avancé là. Ok. Allez, notre objectif actuel, c'est de nous rendre au clan de Garusa. Non, je voulais pas venir ici. Ce sera plus tard, ça. Allez, ça nous fait quand même une bonne trotte encore à faire. Alors ici, on va essayer d'éviter les moustiques géants. Voilà, c'est bien ça. Et du coup, on est rendu au clan de Yeble. Pourquoi pas s'y reposer ? Living in the swamp isn't always easy, but it's our clan's way. Saphir. Voilà qui est plutôt cool. Living in the swamp isn't always easy. Paf. Clan's way. The elders say what doesn't kill. Ça nous fait un repos gratos, hein, 70 plus 20, 13, ah, presque gratos. Il manquait pas grand chose. On va quand même regarder qu'est-ce que tu as à nous proposer, émissaire. Et on a toujours ça à faire. Aide demander la meute. Invasion de rats. Ok, 467, on prend. Ah, c'est à nouveau ici. Ouais, je sais pas si j'ai vraiment envie d'y retourner là-bas, hein, mais bon. Oh, il y a une forge. Here is a piece of friendly advice. Maintain your armor properly. The cardinal mosquito of Lu. Ah, là, je me sens un peu plus serein. Avec pas mal de matériaux. Objectif, hein. C'est toujours le clan de Garusa. Oui, on peut y aller par là. Ou on peut passer par là, ça change pas grand chose, franchement. Ouais, on récupère un peu de persil des marais au passage. Voilà ce que ça change. Allez, voyons voir ce que les trackers ont à nous dire. Et bah allez. Oh, il y a beaucoup de monde. I don't sell croc swine meat. It tastes like swamp water. Je te prends ça. You're not from Edoran, right? We fought those vermin for 30 years. I won't start selling them our products now.
Voilà, on a pris tout ce qu'on pouvait prendre. These pelts are so pristine that Gothenburg trait. So, heroes of Ludur. So you're still alive, I see. Tools be damned. There's just no killing you. Ouais, c'est un peu le principe. This little reunion will have to wait, Vossegg. We have precious little time. The beast you saw, that invincible monster, we now know why Alizar lured it here. Et pourquoi l'ont-ils attiré jusque-là? Their aim was simple. Distract us so that their scholars could get their hands on what they've been eyeing for centuries. Le tombeau. Of the ancients. The woman who fled during the fight will stop at nothing to reach her goal. We are sure of it. We will go to the tomb and stop her from desecrating this holy place. Come with us. We fully trust your men and their skills. Eh bien, bien sûr qu'on va venir avec vous. Good. We'll meet in front of the tomb. You're now permitted to enter. Du coup, qui dit tombeau dit torche. On en a 15. 5 de plus, je suis pas contre. Voilà, très bien. Est-ce qu'on a d'autres choses ici? Cabinet d'apothicaire. On va refaire un check. You won't find any plague remedies in this shop. Alizar refuses to give us any. Try the smugglers. Ok, des huiles. Et à la maison communale. Est-ce qu'on a fait tout ce que vous attendiez de nous, hein? We've been monitoring the smugglers. Ok. The tombs of the ancients. Oh, sheesh. Ok, on va repartir alors. Salut. On va s'éloigner. Du coup, est-ce qu'on est loin? Pas tellement. Pas tellement, faut juste qu'on refasse ça. Petit bout de chemin. Voilà, par ici. Ah. Bon, on va essayer de vous éviter quand même. Voilà, parce que j'ai pas envie de vous combattre, tout simplement. Ça monte là? Non. L'arbre du pendu. Ah, on s'est totalement gouré d'itinéraire. On peut passer par là. Monsieur Gouret, décidément. J'ai un peu de mal avec les directions là. Ok. Là on va suivre. Ok.
On va retourner au... village. Ici. Living in the swamp isn't always easy, but it's our clan's way. Ok, on se repose. Et on va repartir, allons-y. On va avancer par ici. Embusqué, ouais, je veux bien, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Voilà. Le tombeau de Luderne, enfin! On va quand même check ici. Hein. Ok, il n'y a rien. Donc on va explorer le tombeau. On va y aller directement. Entering the tombs is taboo for our people. The gods built them and still dwell there as spirits. I've never had the honor of going inside. You must be the first strangers who are allowed to set foot in there. What an unsettling day. But we must punish the raiders and stop them from causing any further harm in Luderne. Are you ready? On est prêt. Ouh, 300 balles. On prend. Maître Trakes Brigitte vous accompagne désormais Take les this. Autres. It's dark inside. We cannot come with you. We must patrol the grounds. Ok, 5 torches. Très bien. Don't worry about us. Soyez prudents. Oui. Eh bien, on va être prudents et faire une petite sauvegarde. Voilà. Et on va rentrer dans le tombeau. Donc, évidemment, on va essayer de tout inspecter. Oui. I can't quite believe we are actually here. I never thought I would have this honor. We're about to explore the tomb of a man and a woman revered as guardian gods in Luderne, and are among the foremost deities of Harag. Allons-y. On a de quoi explorer, on a pas mal de torches. Alors, inspecter, inspecter. Il est écrit Aurum, peut-être le nom de la femme représentée par la statue. Et ici, il est écrit Narcès, peut-être le nom de l'homme. Ok, on prend. Ça n'a pas l'air de gêner qui que ce soit. Explorer 3 par ici. Bien 3 par là. De vieilles draperies trouvées se mêlent à une myriade de toiles d'araignées. Mettre le feu. Allons-y. Là, c'est d'où on vient. Ok, très bien. Inspectons. Des guerriers ont été enterrés en même temps que les hôtes de ce tombeau. Difficile de savoir s'il s'agissait d'un honneur ou d'un sacrifice. Deux torches. Très bien. Codex des combattants, chapitre 1. Codex est détérioré, vous pouvez le restaurer. Oh, bien ça. Collier de fidélité, un collier en cuir noble, symbole de l'attachement de son porteur à son propriétaire. Compétence... Victoire valeureuse, chaque fois que cette unité tue un ennemi, obtenez un point. Waouh! Ah ouais! Accessoire d'animaux. Ah, dommage. C'est uniquement pour les animaux. Dommage, vraiment dommage. Et on regarde toujours
s'il n'y a pas des symboles particuliers. L'ambiance est pesante dans les couloirs, vos compagnons se sentent observés. Une poterie se brise, trahissant les créatures qui les suivaient. Niveau 7, Ratop est rampant. Ok, il va falloir combattre. J'espère qu'on n'en aura pas trop de ces combats-là. Ok, toi, t'es censé rester en vie, alors tu vas rester près de notre ami qui a une longue torche, là. Alors, est-ce qu'on peut voir des choses? Non. Restez là. Gilita Antares. Peut-être plus par là. On va se mettre dans le coin comme ça. Je pense que là on est plutôt bien positionné. Ok, let's go. Je vais venir par ici. Comme ça. Alors toi. On veut pas que t'attaques. Voilà, toi je veux que tu changes ton comportement. Je te mets en mode défendre, voilà. C'est très bien comme ça. Toi, je veux que tu viennes là. Comme ça au cas où. Ok. On a X adversaire, le premier il est là. Ah, c'était pas suffisant, dommage. Je veux que tu viennes ici. Voilà. 50% de dégâts en plus au prochain. Sur leur prochaine attaque, c'est bien. Oui, tu vas venir là. Parfait. Et tu peux revenir là. Ouch. Pyrrhus, j'ai besoin que tu viennes ici. Et que tu fasses ça. Très bien joué. Comme ça, c'est bien. Ok, ça arrive de l'autre côté. C'est pas un souci, ça. Tu peux venir là. Ok, je pensais pas que ça allait arriver de par derrière aussi. Toi. Non.
peut venir là. Ok, ça y est, les premiers rampants sont visibles. Toi, tu peux venir là. Voilà, finis-le. Tu peux venir ici. Le torcher, parfait. Oui, oui, du verbe frapper avec une torche. Torcher. Non, ce sera pas suffisant. Ouch. Ah oui, ça fait très mal. On va commencer par ça. Je peux balancer encore un coup de roue. Très bien. Le prochain jouet, c'est lui là-bas. Je ne veux pas qu'il joue. Donc, on va y aller avec notre copain. Ah, ça nous permet de voir une cible supplémentaire. On va s'occuper de cela là-bas. Trop court. Et là, ça passe. Voilà. Oh, il y en avait un autre. Tu vas revenir ici. Venir là. Et reviens pas. Ouch. Alors, Hector. Venir ici. Tu vas me faire ça. Théodore. Non? Ok, on va faire ça alors. Ça c'est bien. Petit coup de courroux. Parfait. Ah, tu vas venir ici. C'est pas vrai ça. Tu peux faire ça et ça. On peut encore. Ouais, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais frapper encore une fois. Cas où.
Ok, nouveau round. Ici, Hector. Voilà, ça c'est fait. Ils sont démoralisés. Oui, on les laisse partir. Réparer pour 16, c'est cher. Les carcasses, non, on peut pas se permettre. Alors, on arrive où? Là, c'est d'où on vient. Très bien. Il faudra un compagnon érudit. Ah bah, ça tombe bien, on en a un érudit. Il est écrit, prends garde intrus à celui que tu défies. Apprends que Narcès ne laissa jamais d'insultes impunies. Ok. Ah, on voit déjà un petit sablier jaune. Donc on va noter tout ça, ça va être utile. C'est un des trois symboles qu'il nous faudra. Inspectons ici aussi. Donc Narcès était un tireur apparemment. Ah, il a affronté la bête. On a découvert la rune à lac. Très bien, ça nous fait une rune de plus. Ailleurs, allons-y. -13 degrés. The grave is empty. That's impossible. The god's body should be here. Those damn scholars. They had the gall to move him. Ouais, on va les retrouver. Du coup, est-ce que toi, on peut te soigner? Remède. Remède imparfait. Non. Ah, ok, t'es soigné. Parfait. Par contre, en termes de poids, non, on est encore bon. Donc il nous reste par ici à explorer. Oh. Alors, possibilité d'exploration par là. Il nous faut une clé dorée qu'on n'a pas pour le moment. On a trouvé un rubis. Intéressant. Qu'on revienne ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Codex détérioré. Codex des combattants, chapitre 2. Un rubis, fragment de petit objet. La porte est verrouillée, c'est là où il y a la serrure. Qu'est-ce qu'on a ici? Fétiche des anciens. Réduit la quantité de terreur. Appliqué sur ce compagnon à la fin de son tour. Trois d'exploration, rebrousser chemin ici. Exploration 3. On va l'inspecter. Niveau 8. Il se trouve bien loin de son île, il a l'air effrayé et vulnérable. Exécuter ou le laisser partir. On va te laisser partir.
Trois chemins s'offrent à vous. Une bannière est suspendue devant chacun. Quel chemin prendre? Ok, pour l'instant, on sait pas trop. Hein. On va essayer de trouver des indices. Là, il va nous falloir un érudit. Il est écrit, Orum, toi qui la première emprunte le chemin des étoiles, bientôt réunis ensemble, le reste est illisible. Ok, chemin des étoiles, pourquoi pas. On va venir là. Ah. C'est un combat. Pas que tout le monde soit au même endroit. Toi, je veux que tu viennes là. Pierre-Vis Marina, ok. Antares, je te veux ici. Voilà, plutôt comme ça. Se mettre comme ça, il en reste deux. Ok. Ok, toi c'est fait. Ici. Pas de chance. Cent cinquante et un, très bien. Et on récupère un point. Tu vas venir ici. Voilà, la motivation, ça nous fait 5 points d'un coup. Et plus 50% de dégâts au prochain tour. Très bien. Ouch. Ok, Tilith qui prend. C'est fait pour, elle prend l'aggro. Non, toi tu vois pas. Ouch. Marina, tu vas venir là. Tu vas me balancer ça. Parfait. Ensuite, tu vas venir ici. Et en plus, tu vas courir jusque là. Venir là.
face. Au cas où. Joli. Ici, petit coup de torche. Et ici, en protection. Ah, dommage, il en manquait un petit peu. Là, faire ça. Ah oui, t'es engagé. Tac. Très joli. Et faire quelque chose comme ça. Affaibli. Ok, il y en a 4 ici. Bon, 5. Ok, le gros de nos adversaires sont là. Alors, on peut faire ça. Brûlure. Plutôt joli. Yes, là c'est tombé. Un nouveau round commence. Je vais refaire ça. Et je me désengage. Très joli ça. Parfait. Moins un. Petit choc affaiblissant. Alors on peut encaisser, hein, c'est des tanks. On n'a pas de soucis à se faire. Ah, il en restait quand même ici aussi. Hein. Oh, tu peux venir là, me faire un petit truc comme ça. Parfait. Il nous reste là-haut. Toi, t'as joué. Tout le monde a joué. Non, pas Marina. Marina, elle peut venir là. Et oui, on les laisse partir. On va réparer pour 12. On va récupérer les crocs, le tissu. Voilà, juste ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Talisman de Bellerion, vision plus 1. Pourquoi pas du grès. Fragment d'objet. Ok, je vois pas d'autres symboles. Non. Par contre, il y a quelqu'un qui est là. Il a l'air d'avoir peur.
I know it's sacrilège to even enter this place, but I beg of you, hear me out. Je t'écoute. I was standing watch outside to stop smugglers or Alizarians from sneaking inside when this vile creature attacked me. A rat! A plagued rat! It lunged at me and knocked me over, then ran inside the tomb. I tried to catch it, of course, but it managed to escape. And then I realized it bit me. If you give me a cure, I promise to help you. Otherwise, at least let me go buy one from the smugglers. Allez, je te donne un remède. Je crois que c'était mon dernier, par contre. Hein. Alors, rebrousser chemin ou on continue d'avancer? On continue d'avancer, évidemment. Et on est de nouveau à l'entrée. Donc là, on avait tout fait. Là, on avait fait également. On n'a pas la clé dorée. Donc là, c'est la fameuse porte. Là, on a plusieurs voies. Ok, on va partir ici. Inspectons. Donc ici, c'est l'autre guerrier. Cool, on a découvert la rune de destruction. Ok, un sablier rouge. Voici le deuxième. Il ne manque plus que le symbole bleu à trouver. Est-ce qu'on a des choix ici? Non. On peut briser la tombe, mais à mon avis, ça va faire exactement comme tout à l'heure. Nobody here either. Curse! How on earth did the scholars manage to plunder both sarcophagi so quickly? What the? We have to find them before they take the remains to Alan. Ok, je pense qu'on est bon ici. On va se retrouver ici. Alors, le chemin des étoiles. Grâce à notre érudit. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la fameuse clé dorée. Le tamis augmente les chances de trouver des pierres précieuses en minant. Intéressant. Et de la corde. Qui est notre mineur déjà? Je crois que malheureusement c'est Maror. Une chance d'augmenter le nombre de minerais récoltés. Ouais, c'est bien ça. Bon, inspectons. Ok, ça c'est sur le côté, peut-être même en bas. Ça.
pense qu'on est bon. Voilà. Ah non, ça, ça le fait pas. Ça. Ah là, on n'est pas bon. Et là, on est bon. Parfait. On a découvert la rune campagne. Et il nous manque toujours le troisième symbole. Ah, il est là. Le triangle bleu. Eh ben, c'est parfait. On va aller récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Donc ici, alors, rebrousser chemin, il est où? Il est là. Parfait. Donc, on va venir par ici. Par ici. On utilise la clé dorée. On récupère recette huile instable. Ça nous fait une nouvelle recette. Huile instable, après avoir attaqué un ennemi en mêlée, à 25% de chance d'enchaîner une attaque d'opportunité. Ok. Ici, on a le Codex des combattants, chapitre 3. Un rubis, un saphir. Fragment d'objets précieux. Parfait. Et donc, inspectons notre maître. Alors ici, on sait que c'est une sorte de triangle. Voilà. Un sablier. Parfait. Le cliquetis résonne dans la pièce et la porte s'ouvre. Allons-y. L'ambiance est pesante. Ah. Quoi qu'on se batte et des renforts ennemis arrivent. Ok. Alors, comment on va pouvoir se mettre? Ça, c'est pas mal. Ça aussi, ils sont où les autres? Ok. Tilith. Pyrrhus. Donc, à la limite... Antares, tu peux aller là-bas. Ok. Et venir par ici. Ok. Paf, j'en ai vu un ici. Hein. Toi. Oui, oui, alors. J'ai plus de points, c'est ça le problème. Ça en prend que deux. On va venir par là. Aïe, je l'avais pas vu lui. Thank you.
ça, ça a pris. Et tu vas venir là. Alors, c'est toi qui prends au cac. Et qui provoque. Ça, c'est pas un souci. Ouh, je t'avais oublié, toi, Marina. T'es un peu toute seule. Ouch. Aïe, ouh là là, là ça prend très cher. Ça, c'est parfait. Là, ça devrait peut-être suffire. Non. Ouch. T'es encerclé, ça, c'est pas cool. Mettre comme ça. Ça, c'est pas grave. Ça, on peut gérer. Toi, par contre. Voilà, ça, c'est très joli. Tu peux encaisser aussi. Narev. J'ai besoin que tu viennes là. T'es encerclé. Oh, si t'avais pu le tuer, ça aurait été mieux. Ça. Voilà, on peut faire ça. Des renforts ennemis. Alors, ce que j'aimerais bien faire, toi tu peux encaisser. Toi par contre. J'aimerais que tu passes ça. Voilà, que tu fasses ça. Et que tu viennes jusque là. Ouh, je l'avais pas vu venir lui. Tu vas venir jusque là. Merci. Tue le deuxième, ce serait parfait. Presque parfait.
par ici. Oui, là on commence à arriver à bout. Hein. Voilà. Toi qui a pris. Et tu vas venir là. Ouh, je t'ai pas vu, toi. Très joli. On va mettre ça comme ça. Alors, toi tu meurs. Voilà, merci. Déjà toi qui prends. Oh dommage, il manquait pas grand chose. Ok, ça c'est fait. Tessa, très bien. Je vais pouvoir venir ici. Ok, moins 1. On récupère 2 points. Si tu viens jusque là, non. Ok, ça c'est fait. Tu vas rester là, toi. Faire ça. Très joli. Est-ce qu'on a des gens ici qui n'ont pas encore joué? Normalement tout le monde a joué. Galore. Du coup, ça serait peut-être pas mal de venir par là. Il est en train d'y prendre. Ok, et ici. On tue beaucoup de monde. Et tu vas te positionner. Ouf. Ok. Pas suffisant là. Ah, il en manque encore. Ah, toi, tu peux faire plusieurs attaques.
Ok, ça c'est pas mal. Tu peux revenir là. Ok, ça c'est fait. Et tu reviens là. Très bien joué. T'es bien vengé. On est ici, hein. Et il en reste encore. Ok, il y en a deux ici. On va faire ça. Ça, c'était parfait. On peut venir par ici. Au cas où. Ok, il y en a encore deux là. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça? Partout ici, ça a déjà joué. Hein. Donc, il reste Armand. On va le rapatrier par là. Ouch. Théodore. Il est là. Oui, on les laisse filer parce que Théodore, là, il était pas loin d'y passer. Hein. Tout réparé pour 23. Waouh. Quasiment tout notre stock. Et on soigne. On laisse le reste. Oui, alors les compagnons sont fatigués, d'accord. On est dans la dernière salle cependant. Hein. Nouvelle rune. Traps. We almost had them. I was hoping we would find the gods' bodies here, but they really did take them. The scholars stole everything. Their weapons, scrolls, jewelry, everything. No, wait. Look down this hallway. They dropped some of their loot when they fled, which means we interrupted them. If there's still a chance to catch them, we must try. Let's get out of here, quickly. Parfait, on a terminé ici. On va quand même inspecter récemment vidé. D'accord. Donc on a terminé ici. On va rebrousser chemin. On va sortir. Halt! Stop right there. What the? Oh!
Oh, by the all-seeing eye, you again. Are you running away with your tail between your legs, scholars? After unleashing the beast on Ludon, desecrating the tomb and stealing the bodies of our gods, you have the nerve to make off like thieves. Mercenaries, will you bring justice to Ludon and its trackers? Ah oui, on va t'aider. Il y a beaucoup de monde là quand même. Ok, évidemment, tout le monde est crevé. Force et dextérité réduite de 30%. Aïe, 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 aïe. Oui, ça va être compliqué alors. On va plutôt fuir le combat. On va soigner. On fera ça plus tard parce que là on est un petit peu mal. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, c'est est-ce qu'on peut faire un peu de cuisine ? Et vite fait. Hein. Voilà, et on va avoir besoin de se reposer. Alors, je veux ça. Ok, là on est bon. On va verser la solde. Et on se repose. Alors évidemment, on veut faire le dernier combat. Hein, le gardien des lieux. Mais on verra ça dans le prochain épisode. Peut-être qu'en off... je ferai un petit aller-retour rapide aux différents clans pour récupérer ce qu'il faut pour réparer nos armures et enfin mener le dernier combat à bien. Mais tout ça, ce sera pour le prochain épisode. Celui-ci étant arrivé à son terme, je vous remercie énormément de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours au travers du clap, commenter, liker, vous abonner et partager surtout. N'oubliez pas de partager car vous le savez, oui vous le savez, le partage c'est la vie. Allez, à ciao, bye bye.